Les ministres et représentants des 88 États et gouvernements membres de la francophonie se sont réunis à Djerba, en Tunisie, le 18 novembre 2022 pour la 43e session de la conférence ministérielle de la francophonie, CMF, à la veille du 18e sommet des chefs d'État de la francophonie. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a présenté à la CMF le rapport des travaux du Conseil permanent de la francophonie qu'elle préside, ainsi que les actions menées en 2022 et les ambitions de la francophonie en faveur de la langue française. Nous avons plusieurs sujets, surtout les questions politiques, diplomatiques. Donc cet après-midi, nous allons avoir une séance substantielle sur la langue française et ce qu'on fait dans nos pays, puisque nos pays sont à des niveaux très différents sur la pratique et l'utilisation de la langue française. Et donc ce sera le sujet pour cet après-midi. Présidée par le ministre tunisien des Affaires étrangères, la conférence a abordé plusieurs points liés notamment à la coopération multilatérale francophone et aux questions administratives et financières relatives à l'OIF. Les questions sécuritaires se sont également invitées à la table des ministres, notamment la question d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mon intervention sur le problème d'insécurité à l'est de la RDC, c'est que c'est un problème congolais qu'il faut résoudre en interne et qu'il y a eu des solutions régionales qui ont été proposées qu'il fallait prendre en compte. Je leur ai également fait savoir nos inquiétudes par rapport aux populations rwandophones du Congo qui sont persécutées et que tout cela doit cesser. Je leur ai rappelé combien c'est dangereux d'exclure une partie de la population, ce qui est source de conflits et de guerres. La conférence ministérielle de la francophonie se réunit une fois par an et a pour but d'assurer la continuité politique du sommet de la francophonie.